La passe derrière à Courtenay. Yanné est devant lui. Larmer qui vient la clôture des gages. Oh, et là, ça fera dur en territoire des Hawks. Ouais, on se trouve. Oh, Courtenay et Murray, les deux numéros 6, mais Courtenay a toujours ses gants. Lefebvre qui veut intervenir. Murray qui essaie de s'en prendre à Courtenay. Yanné qui le regarde aussi. On ne trouve pas grand-chose en essayant de s'en prendre à Courtenay. Il y a un seul joueur qui a laissé tomber les gants, c'est Bob Murray. On était à 4 dans le territoire des Blackhawks pendant que le jeu se déroulait à l'extérieur de la zone. Il y avait McPhee, Yanné, Murray et Courtenay. Et là, l'arbitre Paul Stewart, qui a eu un travail relativement facile à effectuer ce soir, va sévir. Sûrement contre Murray. Peut-être Courtenay. Oui, c'est ça, les deux. Murray et Courtenay. Alors, ça a commencé dans le territoire des Hawks. Là, c'est Yanné qui essaie de contenir Courtenay. Petit coup de poing. David et Goliath, c'est là que McPhee est entré dans le décor. Et Murray, lui, qui n'a pas aimé être bousculé par Courtenay, a tenté de s'en prendre à lui par la suite. Et ce Yanné, c'est celui qui, l'an dernier, là, tu te rappelles, avait été assommé par un coup de coude retentissant de Craig Ludwig. Ouais. Il était sorti sur une civière. C'était arrivé à la fin d'octobre, ce coup sournois de Ludwig. Et il dit qu'il a entendu des cloches jusqu'à la période des fêtes. Il avait manqué beaucoup de matchs, hein? Et Ludwig, lui, avait été suspendu pour 5 parties.